Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Jacques Chirac appelle à un sursaut. Les actes de racisme et d'antisémitisme salissent la France, dit-il. Le chef de l'État était en visite au Chambon-sur-Lignon, un village où des milliers de juifs avaient trouvé refuge sous l'occupation. Justice, l'incompréhension après la relaxe du jeune homme qui avait assassiné ses parents. La préfecture ordonne son hospitalisation d'office. Il ne sera donc pas laissé en liberté. Par ailleurs, le parquet a fait appel du jugement. On craignait une nouvelle canicule, mais c'est le vent et la pluie qui persistent en ce début de vacances. Rafale de 130 km/h en Bretagne. L'alerte aux orages est maintenue sur les Alpes et en Isère. En Russie, peut-être les dernières heures d'un géant du pétrole. Sauf coup de théâtre, le groupe Yukos va être déclaré en faillite. Un nouveau signe de la mainmise du Kremlin sur l'économie russe. Enfin, le festival d'Avignon sur les rails. Les intermittents sont là, mais la menace s'éloigne. Temps fort ce soir avec le premier spectacle dans la cour d'honneur. Wojciech du berlinois Oscar Mayer, une mise en scène qu'on annonce très provocatrice. Et avant de développer ces titres, un coup d'éclat sur le Tour de France, celui d'un jeune Français, Thomas Voeckler. Il a 25 ans et il est tout simplement maillot jaune, avec près de 10 minutes d'avance sur Lance Armstrong. Nathanaël Derinxin, Sylvain Dobat. Sur le podium, il n'en croit pas ses yeux. Pourtant, c'est bien lui, le nouveau maillot jaune du Tour de France, le tombeur de Lance Armstrong. Une sacrée perf qui propulse Thomas Voeckler sur le devant de la scène. Mais il en faudrait plus pour déstabiliser ce jeune coureur français au caractère bien trempé. Même si là j'ai du mal à réaliser que je suis sur un petit nuage depuis que j'ai franchi la ligne tout à l'heure, je ne fais pas d'illusions et ce qui est sûr c'est que ça, faut pas se voiler la face, ça m'emmènera pas, à Paris. Son grand bonheur, Thomas Voeckler, le doit en partie aux soucis rencontrés par le peloton aujourd'hui. Des glissades, des chutes, des chocs comme s'il en pleuvait. Les conditions météorologiques ont même eu raison de la formation US Postal. Quatre équipiers du maillot jaune au tapis n'en jetaient plus, Armstrong lève le pied. Voeckler, Cazard, O'Grady, Backstage et Pils, les cinq échappés du jour ont le champ libre jusqu'à l'arrivée. Si on est leader d'une équipe un peu comme Armstrong, ben on essaye de se protéger, on essaye de mettre ses équipiers devant, de rouler à l'occasion, un peu comme ils ont fait quoi. Faire en sorte que de ne pas chuter, c'est ça le plus important. Sur la ligne d'arrivée, O'Grady offre à la formation Cofidis un précieux succès. Thomas Voeckler termine quatrième. Ce soir, il occupe la tête du classement général avec près de 10 minutes d'avance sur Armstrong. De quoi avoir la vie en jaune pendant quelques jours. Thomas Voeckler, un nom à retenir donc. L'appel solennel de Jacques Chirac maintenant, face à la recrudescence des actes antisémites et racistes, il demande un sursaut aux Français. À 6 jours du 14 juillet, le président de la République, on l'évoquait hier, était en visite au Chambon-sur-Lignon, ce village des Cévennes qui s'est illustré en cachant des milliers de juifs sous l'occupation. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. Une terre de refuge. Ici, depuis toujours, l'accueil est un état d'esprit. Et pendant l'occupation, des centaines d'enfants juifs ont été cachés dans ces fermes. Sur cette terre des justes, Jacques Chirac est venu parler d'une France de solidarité. Avec lui, Simone Veil, qui fut déportée à Auschwitz, revit le passé. S'il y a eu beaucoup d'enfants juifs, beaucoup plus que dans tous les autres pays, qui ont été sauvés en France, c'est grâce à beaucoup de Français comme ça. Alors dans ce lieu symbolique, le président de la République veut se poser en rassembleur, défenseur de l'union dans la diversité, quand les crises internationales attisent en France tous les racismes et les extrémismes. Aujourd'hui encore, des actes de haine, odieux et méprisables salissent notre pays. Les discriminations, l'antisémitisme, les racismes, tous les racismes se déploie de nouveau insidieusement. J'appelle solennellement chaque Française et chaque Français à la vigilance. Devant le danger, je les appelle au sursaut. Les réquisitions nécessaires. Et Jacques Chirac promet une extrême sévérité pour les auteurs des crimes racistes, xénophobes, homophobes. Il en appelle aussi à la mobilisation de tous, responsables politiques comme simples citoyens, pour restaurer la tolérance et le respect de l'autre. En défendant les valeurs de la République à la veille du 14 juillet, Jacques Chirac veut donc se poser en garant de la cohésion nationale et s'élever aussi par la même occasion au-dessus des débats et des querelles de sa propre famille politique.
Cet appel intervient alors qu'un constat saisissant vient d'être dressé sur les ghettos urbains. Il s'agit d'un rapport des renseignements généraux révélé par le journal Le Monde. D'après cette enquête, le repli communautaire gagne de plus en plus les quartiers. Anne-Guéry, Thomas Rambaud. La cité des Bosquets à Montfermeil, classée zone sensible. C'est l'un des 300 quartiers répertoriés par la Direction centrale des renseignements généraux, quartier qui présente des signes de repli communautaire. Ici, 40 nationalités, toutes les religions sont représentées. Pour Xavier Lemoine, le repli sur soi menace toutes les communautés. Les manifestations les plus évidentes de ce repli communautaire, bon, c'est la tenue vestimentaire, c'est le non-emploi du français, bien évidemment, c'est la non-fréquentation d'un certain nombre de structures publiques, clubs de jeunes, crèches, voire écoles. On essaie de soustraire des enfants à l'école. Aucune communauté n'est à l'abri de cette tentative et de cette tentation. C'est l'accumulation d'un certain nombre de signes qui définit le repli communautaire selon les renseignements généraux. Des quartiers où se concentre une majorité de familles d'origine immigrée. La multiplication de commerces ethniques et de lieux de culte. Le port d'habits orientaux et religieux. Et enfin la difficulté de maintenir des Français d'origine. Une crispation communautaire qui prend aussi sa source dans les failles de la société française, selon le sociologue Michel Viviorca. L'inquiétude, elle est d'abord, à mon sens, liée à la radicalisation qui peut prospérer sur fond d'exclusion sociale et de racisme. Si on veut lutter contre ce que les renseignements généraux appellent le repli communautaire, il faut multiplier par 5 le budget de M. Borloo. Car dans ces quartiers, les difficultés s'accumulent, accès au logement problématique, chômage record, parfois près d'un habitant sur deux. Justice et d'abord les suites de cette décision du tribunal de Belfort qui a suscité l'incompréhension. On en parlait hier. Un jeune homme de 19 ans a été relaxé, laissé en liberté alors qu'il avait assassiné ses deux parents 4 ans plus tôt à coups de couteau. Motif, il a été reconnu pénalement irresponsable. Aujourd'hui, le parquet a réagi. Il a fait appel de ce jugement et dans le même temps, la préfecture a pris une mesure d'hospitalisation d'office. Christophe Nédart, Antiestal Schmidt sur place. Relaxé mais toujours sous haute surveillance. Voilà, allez, vite, enfin, ça fait 3 ans et demi, on n'est pas à 5 minutes non plus, la défense a aussi le droit de faire son travail. C'est ici que Vincent Grimler est soigné depuis 2 ans et demi. Son avocat vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Le préfet de Belfort demande un internement d'office. À l'intérieur, un médecin psychiatre l'attend. Pour le jeune homme, c'est un coup dur. C'est tout à refaire et c'est bien dommage parce qu'il faut bien comprendre que je ne suis pas dangereux qu'il ne faut pas confondre des tueurs en série et moi. L'entrevue avec la psychiatre dure 1 heure. À sa sortie du centre de soins, le sort de Vincent Grimler semble scellé. Je vais établir un certificat et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce que Vincent va être amené à être interné d'office ou pas? Moi, je pense que oui. À 16h, la décision tombe. Le préfet estime que Vincent Grimler a besoin de soins. Il est interné d'office. Il restera dans ce centre au moins 15 jours. Pour son avocat, la déception est de taille. Lui qui hier a obtenu sa relaxe. On tire un trait sur 3 ans et demi d'instruction. Hein. On fait comme si on recommençait à zéro. Le Betain, petite commune de 150 habitants, n'a pas oublié l'histoire de Vincent Grimler. Celle de ses parents, installés depuis peu et sauvagement poignardés dans cette maison. Choqués par l'acquittement du jeune homme, certains s'accrochent à la décision préfectorale. C'est un soulagement pour les gens parce que bon, ils se sentiront rassurés. Hein. Et puis peut-être que pour lui aussi, c'est un bien. Je suis un peu plus fier de la justice que j'y étais hier soir. Vincent Grimler voulait terminer un CAP de cuisine tout en se soignant. Le voilà rattrapé par la justice. Car le procureur de Belfort a décidé de faire appel, Vincent sera rejugé. La bataille judiciaire autour de ce double parricide est loin d'être terminée. Oui, et au-delà de ces mesures de sauvegarde prises aujourd'hui, on s'interroge évidemment sur la première décision de justice. Que prévoient les textes? Y a-t-il des précédents? Explication Dominique Verdaillan, Frédéric Monteil. Issei Sagawa est une star au Japon. Il peint, il écrit des best-sellers, il est tantôt acteur, tantôt chroniqueur judiciaire. En France, il y a 24 ans, il faisait la une de la chronique judiciaire. Le cannibale japonais. Non seulement il avait tué son ami, mais il en avait mangé des morceaux. Il ne fut pas jugé. Le juge Bruguière, chargé du dossier, l'a considéré comme pénalement irresponsable.
Résultat, Issei Sagawa a rejoint son pays par un vol direct. Quelques lignes dans le code pénal définissent la frontière entre le judiciaire et le psychiatrique. N'est pas pénalement responsable la personne qui est atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Résultat, un non-lieu pour Azdine Berkan, l'agresseur de Bertrand Delanoë, placé d'office en hôpital psychiatrique par le préfet. La justice n'a pas encore pris de décision quant à Maxime Brunnery, l'homme qui a tiré sur Jacques Chirac. Mais là encore, les experts ne sont pas d'accord entre eux. Faut-il juger absolument les malades psychiatriques? C'est la réflexion engagée par le garde des Sceaux. Un procès obligatoire qui s'apparenterait à une audience de deuil pour les victimes. Pourquoi juger les malades mentaux? Pour faire plaisir à qui, à quoi? Ça me paraît tout à fait anormal. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens anormaux font partie de la société, il faut les soigner, c'est tout. Dans le cas de Vincent, à Belfort, le juge a décidé qu'il y aurait procès. Hier, le tribunal s'est refusé à condamner, constatant son impossibilité d'aller plus loin. Je ne crois pas qu'on puisse se contenter de dire, eh bien, faites-vous aider psychologiquement, point à la ligne. Ça ne me paraît pas suffisant. Il faut un diagnostic et un suivi médical. En attendant le procès en appel, Vincent n'a plus de compte à rendre à la justice. Il dépend uniquement du préfet et des psychiatres. L'affaire Michel Fourniret maintenant. Nouvelle apparition aujourd'hui du tueur en série présumé. Il a été entendu une nouvelle fois, en vain. L'homme est semble-t-il resté muet, alors que les autopsies ont confirmé ses premières déclarations. Amaury Guibert, Alexandre de Couit. Le château du Sautou a retrouvé un peu de son calme. C'est le temps du recueillement. En milieu de matinée, Marie-Noëlle Bouzet, la mère d'Elisabeth Brichet, est venue là où l'on a retrouvé le corps de sa fille, assassinée par Michel Fourniret il y a 15 ans. Un peu plus tard, elle était près de l'ancienne maison du tueur en série où Elisabeth a été séquestrée. Submergée par l'émotion, Marie-Noëlle Bouzet a décidé d'annuler la conférence de presse qu'elle devait tenir demain. Ce matin, Michel Fourniret arrivait à Dinan, les yeux masqués. C'est la procédure en Belgique pour les détenus particulièrement surveillés. Nouvelle audition sans résultat. Dès hier, les enquêteurs craignaient une manipulation. Monsieur Fourniret, ici, est accusé de crime extrêmement grave. Et je ne voudrais pas que, de par l'emprise médiatique, ce monsieur se croit investi d'un rôle et qu'il puisse dicter une quelconque volonté aux enquêteurs. Pas d'exigence, ni de chantage, répond son avocat. On a affaire à une personne qui sait où elle va, qui sait donner des instructions précises et qui reste très claire, en tout cas, sur les dossiers. Il est prêt à continuer à collaborer? Oui, moi, je crois qu'il n'y a pas de souci par rapport à cela. Et dès la semaine prochaine, des enquêteurs français devraient venir en Belgique interroger Michel Fourniret. Michel Fourniret, dont la personnalité hors du commun, on l'a déjà dit, intrigue les enquêteurs, et notamment son côté manipulateur. Voici un épisode marquant de son équipée. Il serait parvenu à mettre la main sur ce qu'on a appelé le trésor de guerre du groupe Action Directe, grâce aux confidences d'un codétenu. Yasmina Farber, Alexandre de Couit. Comment cette demeure de notable, un château du 19e siècle et ses 16 hectares de terrain, a-t-elle pu être achetée par un modeste forestier? Cette question, Robert se l'est posée dès 1988. A l'époque, il était chargé de faire visiter le château de Sautou, alors à la vente. Les candidats étaient tous plutôt bon chic, bon genre, tous, sauf Michel Fourniret. Il n'avait pas vraiment le look de l'acheteur potentiel. Le voir, il ne pouvait pas avoir cette somme-là, quoi, pour moi. Ah oui, hein. C'est-à-dire à le voir, hein. Bah, le voir à un homme qui n'était vraiment pas habillé, pire que moi comme je suis là. Pourtant, Michel Fourniret sera l'heureux acquéreur. Il paye cash 1,5 million de francs, une transaction étrange que le notaire de l'époque n'a pas souhaité nous commenter. Michel Fourniret a livré ses premières explications rocambolesques. Il prétend s'être offert le château avec un trésor de guerre volé, dit-il, à Action Directe. Et il donne un nom, celui de son compagnon de cellule des années 80 à Fleury-Mérogis, le dénommé Jean-Pierre Elgouarche. Celui-ci se serait vanté d'être le trésorier de l'organisation terroriste. Il lui aurait révélé l'emplacement d'un magot, une version totalement démentie par Jean-Pierre Elgouarche. Pourtant, c'est bien la femme de celui-ci, une certaine Farida, que Fourniret dit avoir tuée dès sa sortie de prison. La disparition a eu lieu le 12 avril 1988.
que la famille de Farida était extrêmement inquiète de ne pouvoir la joindre, s'est rendue au domicile de celle-ci, a vu un repas servi et non consommé et a pu constater que la voiture avait disparu. Le corps de Farida n'a jamais été retrouvé, mais Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, confirme cet assassinat et l'existence de ce magot, estimé à 10 millions de francs de l'époque. Les enquêteurs viennent d'en retrouver une petite partie dans ce bois, 25 000 euros en louis d'or et pièces espagnoles. Depuis plusieurs jours, l'émotion suscitée par ces affaires est grande et certains demandent une plus grande fermeté des tribunaux. Mais aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers d'avocats qui se sont regroupés, qui ont manifesté pour dénoncer au contraire la surpopulation carcérale. Le nombre de détenus a bondi depuis 2 ans. Zindine Boudaoud. Pour ces avocats lyonnais, c'est une réalité qu'ils dénoncent depuis longtemps. Il y a beaucoup trop de prisonniers dans les prisons. Aujourd'hui, ils se mobilisent contre les conditions de détention. Cette situation extrême est incompatible avec le respect dû à toute personne humaine. Surpopulation, promiscuité, manque d'hygiène. Pour les avocats, la situation est explosive dans les prisons du pays. Les gens qui sortent d'une incarcération dans des conditions comme ça, à mon sens, ce sont des gens qui sont désocialisés, qui ne penseront pas à indemniser leurs victimes, etc., qui vont sortir de là complètement laminés. Il y a de plus en plus de détenus dans les prisons. Depuis 2 ans, la tendance est encore accentuée. Au 1er juillet, ils sont 63 652 détenus pour 49 156 places. Le gouvernement a prévu la construction de 13 000 nouvelles places à l'horizon 2007. Pas sûr que cela suffise. Qui viennent visiter la maison d'arrêt. Aujourd'hui, ces parlementaires de tous bords ont visité la maison d'arrêt de Seyss. Une maison d'arrêt toute neuve, livrée il y a 1 an et demi, est déjà pleine à craquer. 594 places et 888 détenus. La faute à une politique trop répressive au goût des avocats. On est organisé autour de la sanction et uniquement autour de la sanction. Et parce qu'il y a une surpopulation dans les maisons d'arrêt, on n'organise pas et on n'a pas les moyens d'organiser le suivi psychiatrique des délinquants qui méritent d'être suivis à ce titre. Régime de semi-liberté, bracelets électroniques, ces peines alternatives à la prison sont trop marginales encore pour avoir un impact sur la surpopulation carcérale. Les intempéries suivent, loin d'une possible canicule. Ce début de vacances est pour l'instant marqué, vous l'avez sans doute constaté, par la pluie et le vent. Et ça va continuer au moins jusqu'à samedi. Les rafales ont atteint 130 km/h en Bretagne la nuit dernière. Des dégâts aussi dans le centre de la France. Florence Bouquillat. Un orage de grêle de 10 minutes a suffi. Ce vignoble du Cher est totalement détruit. Dans la région, on ne se souvient pas d'une semblable catastrophe depuis au moins 50 ans. On a un sarment ici qui normalement devrait être à peu près 2 fois plus long. Il a été cassé au bout. Toutes les feuilles sont tombées. Le bois est très touché. Les raisins sont tombés. Donc les dégâts sont énormes. À Quincy, il n'y aura donc pas de récolte 2004. Il faudra replanter des parcelles entières pour retrouver un vin blanc réputé. Dans le Morbihan, les campeurs étaient prévenus dès hier. Le vent allait souffler à plus de 130 km/h. Tous se sont donc mis à l'abri. Ils sont revenus ce matin pour évaluer les dégâts. On est parti, c'était encore debout, puis on revient, c'est plus debout. Enfin, la caravane, elle a tenu le coup. Avant de souffler sur la Bretagne, l'orage s'est abattu sur le sud de l'Angleterre. Victimes des chaussées glissantes, de nombreux poids lourds ont terminé dans le fossé et des dizaines d'arbres ont été déracinés. Le sud-ouest de l'Allemagne aussi a souffert. De très fortes bourrasques et un très gros orage de grêle ont provoqué d'importants dégâts, non loin de la frontière française. Économie, le débat sur les 35 heures. Le ministre des Finances, Nicolas Sarkozy, précise sa position. Il faut réformer en gardant comme base le volontariat. Que ceux qui veulent travailler plus puissent le faire, dit-il. Débat également à l'intérieur même des entreprises. Exemple, dans cette société de Seine-et-Marne qui fabrique des hologrammes. Le patron veut assouplir les horaires. Les salariés sont divisés. Séverine Lebrun, Pierre-François Valtras. 50 ans, mère de famille, cette ouvrière est 37 heures par semaine devant sa machine. Elle bénéficie depuis 2001 de 15 jours de RTT par an, du temps précieux pour elle comme pour de nombreux collègues qui ne sont pas prêts à y renoncer, même pour un salaire plus élevé. Ça implique pour certains d'entre nous de payer des impôts alors qu'ils n'en payent pas, donc c'est important. Et puis toujours cette histoire de fatigue, de surcharge de travail parce qu'on nous demande beaucoup. C'est vraiment une qualité de vie que je recherche plus qu'un salaire finalement, quoi.
Pourtant, une majorité des Français serait d'accord pour travailler plus en échange d'un salaire plus élevé. À l'exemple de ces cadres de la même entreprise, motivés par des augmentations de salaire. Je préférerais avoir un plus gros salaire en contrepartie de mes jours de repos. Dans cette entreprise, sans salariés et presque autant d'avis divergents. Le patron sait très bien qu'il serait très difficile de revenir en arrière. Il plaide pour plus de souplesse en fonction du désir de chaque salarié. Finalement, de laisser la liberté aux salariés et à l'entreprise de négocier entreprise par entreprise le temps de travail et la façon dont on s'investit dans l'entreprise. Une opinion conforme à celle du gouvernement qui souhaite agir avec souplesse. Il pourrait notamment laisser à chaque entreprise la liberté de négocier le temps de travail des salariés. La rénovation urbaine, nouvelle destruction de tours ici à Roanne. Deux bâtiments de 11 étages ont été dynamités en présence du ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo. Il y avait 171 logements. Les tours seront remplacées par 63 maisons de ville à caractère social. Le logement social qui n'exclut pas l'innovation. À Paris, dans le 17e arrondissement, en voici un exemple étonnant. Les façades du bâtiment sont couvertes de bambou. Une curiosité dans tout le quartier. Daniel Wolfram, Frédéric Basile. Dans la ville, il existe toutes sortes d'immeubles, plus ou moins hauts, plus ou moins beaux, plus ou moins classiques. Mais celui-là n'est vraiment pas banal. Ses promoteurs l'appellent l'immeuble végétal. Des centaines de vasques en béton meublent une façade des plus ordinaires. Mais ce qui l'est beaucoup moins, ce sont ces grands bambous choisis parce qu'ils résistent bien au climat parisien. Autre curiosité, le promoteur de cette affaire est l'office HLM de Paris, l'OPAC, qui a donc construit ce bâtiment pour l'accession sociale à la propriété. Ce sont des locataires du parc HLM qui achètent pour rester au moins 20 ans dans ces appartements, moitié moins chers que ceux du voisinage. Mais vivre derrière des bambous, cela ne va pas de soi. Ce que je crains un peu, c'est que ça prend trop d'ampleur. Ça sombre cet appartement, mais ça, on verra. Quant à l'arrosage des bambous, c'est l'office HLM qui en a la charge, un système géré par ordinateur. Dans la liste du garde-corps, il passe un tout petit tuyau qui est ici, non, il est ici. Voilà, c'est de l'arrosage type goutte à goutte, donc assez économique en consommation d'eau. L'arrosage est modulé en fonction de la température, de l'hygrométrie et du vent. Et la dame, elle s'occupe de rien alors ? Ah, pour l'instant, non. Non, il n'y a aucune raison de s'en occuper. Outre les bambous, l'ascenseur transparent est à l'extérieur et les parties communes sont soignées. De quoi attirer les classes moyennes, les maintenir dans Paris et éviter qu'elles ne fuient à la périphérie, comme c'est le cas aujourd'hui. L'actualité à l'étranger, d'abord cette nouvelle attaque des insurgés à Samara, au nord de Bagdad. C'est un quartier général de la garde nationale qui a été la cible de tirs de mortier. Trois soldats américains ont été tués, le plus lourd bilan pour les États-Unis depuis la passation de pouvoir la semaine dernière. Au Proche-Orient, nouveaux affrontements dans la bande de Gaza. Une offensive de l'armée israélienne contre les brigades des martyrs d'Al-Aqsa a fait 7 morts. Quelques heures plus tard, 5 militaires israéliens ont été tués par un tir de roquette alors qu'ils circulaient dans une jeep. Attentat revendiqué par le djihad islamique. En Russie, peut-être les dernières heures d'un géant du pétrole. Sauf coup de théâtre, le groupe Yukos va être déclaré en faillite. Un nouveau signe de la mainmise du Kremlin et de Vladimir Poutine sur l'économie russe. Jérôme Bonny. Vladimir Poutine reçoit le chancelier allemand, Gerhard Schröder. Mais tout en affichant une décontraction souriante, le président russe poursuit une lutte sans merci contre les oligarques de son pays. Dans le collimateur du Kremlin, le groupe Yukos, qui lui portait ombrage. Yukos, c'est la première société russe. Elle assure un cinquième de la production pétrolière dans le pays. Mais les actifs de Yukos viennent d'être saisis par l'État. Celui qui est visé, c'est l'ancien patron du groupe, Mikhail Khodorkovsky, emprisonné depuis 8 mois et dont le procès a commencé le 16 juin. Son principal tort est d'être, ou plutôt d'avoir été, l'homme le plus riche de Russie. Aujourd'hui, l'État réclame à son groupe près de 7 milliards de dollars d'arriérés fiscaux. Résultat de ce procès, une chute vertigineuse de la valeur en bourse de Yukos, tombée en 8 mois de 30 milliards à 13 milliards de dollars. Le procès Yukos risque fort de conduire à une nationalisation du groupe privé. Mais la Banque mondiale met en garde le président russe. La confiance des investisseurs retombe, les capitaux fuient. À vouloir diriger l'économie russe
tout comme il commande les armées, Vladimir Poutine risque de mener son empire à la faillite. La conférence internationale contre le sida, on l'évoquait hier, l'Asie est l'objet de toutes les attentions. La maladie s'y développe très vite, sauf dans un pays, la Thaïlande. Là-bas, les autorités ont compris très tôt que l'accès aux médicaments était capital. La Thaïlande fabrique elle-même ses génériques, les moins chers du monde. Envoyé spécial, Nathalie Sapena, Nathalie Gallet. Tous les mois, c'est à scooter que Palita se rend dans ce petit hôpital rural. Un rendez-vous vital, c'est ici qu'on lui renouvelle son traitement contre le sida. Palita a découvert qu'elle était séropositive quand son mari est mort de la maladie, il y a 10 ans. Sa fille de 12 ans est aussi sous traitement. Poids, calcul du nombre de gélules nécessaires, conseils, ceux qui s'occupent d'elle sont des volontaires séropositifs comme elle, qui viennent aider le personnel médical. Quand je viens ici, je me sens bien car j'habite seule. Je suis bien accueillie, soutenue moralement. J'ai pu avoir accès aux médicaments et continuer mon travail, et ça c'est bien. Palita participe également à des séances d'information. L'hôpital envoie aussi des volontaires chez des patients pour les aider à bien prendre leur traitement. Et ça marche, les 70 patients de l'hôpital suivent tous scrupuleusement leurs prescriptions. Nous avons un niveau inhabituellement élevé d'observance, 95% dans ce cas. Ça signifie que les patients prennent très bien leurs médicaments. Un programme original avec la trithérapie la moins chère du monde, fabriquée en Thaïlande. Le GPOVIR coûte 25 euros par mois. Il est pris en charge par l'État ou les associations. Un traitement unique, mais qui n'est pas adapté à tous les malades. Avec le GPOVIR, il y a environ 20% des patients qui ont des résistances et des effets secondaires. Mais donner d'autres médicaments, ça coûte trop cher. Aujourd'hui, 20 000 patients ont accès aux antirétroviraux en Thaïlande. Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'en soigner 50 000 avant la fin de l'année, mais près de 200 000 auraient besoin de ces traitements. L'environnement avec l'informatique au secours des pompiers pour lutter contre les feux de forêt. Un nouveau logiciel qui intègre le vent, les reliefs, le type de végétation, calcule ou tente de calculer le parcours des flammes. Logiciel testé dans deux départements, à Perpignan, Karine Komadzi, Mathieu Birden. Patrouille comme fin transmettée pour Cody. Les pompiers des Pyrénées-Orientales ne pensaient pas tester si vite leur nouveau logiciel. Et pour un premier feu, c'est un cas d'école. Bien reçu pour Cody. Ça se passe quelque part par là. Les gens sont dans des villages qui sont à l'extérieur, ils voient une fumée. Et nous, il faut savoir où on doit aller, dans quelle vallée on doit aller. Grâce au simulateur d'incendie, les pompiers vont pouvoir prévoir la propagation du feu. Quand les traqueurs arrivent, les premiers pins s'embrasent. En moins de 2 heures, l'incendie est circonscrit. Dans la salle opérationnelle de la caserne, les pompiers alimentent en permanence le logiciel. Les conditions météo viennent s'ajouter à l'état de la végétation et au relief. Démonstration à partir d'un incendie survenu en septembre dernier. Le simulateur va nous faire des calculs intégrant l'ensemble de ces données, avec ici des courbes toutes les 20 minutes, qui vont nous permettre de voir qu'en l'espace d'une heure, on a un mas qui est ici, qui est déjà menacé. En 1h20, il va arriver à la route qui est ici, avec ici un ensemble de bâtiments d'habitation. Au total, ce sont 1200 hectares qui étaient menacés. Cette estimation, le capitaine Frédéric aurait aimé la voir en septembre, lorsqu'il devait déployer les moyens sur ce même terrain. On a les traces du feu, on sait comment il se comporte face à telle situation. Et si on ne l'a pas, bien, grâce à tous les critères informatiques qu'on rentre, on arrive à avoir une idée du sens dans lequel il va partir. Alors c'est pas une parole d'évangile, mais au moins ça nous donne toujours une indication. Si l'ordinateur ne remplace pas l'expérience des hommes, il permet d'anticiper. Et ici, gagner quelques secondes sur le feu, c'est avoir une chance de le maîtriser. L'espace avec l'inauguration d'un nouveau type de télescope en Provence. On l'appelle l'hypertélescope. Sa puissance est multipliée par des jeux de miroirs très particuliers. Une découverte française donc. Nicolas Châteauneuf, Christophe Larocquin. Un gros ballon pour observer les étoiles de plus près. Dans ce laboratoire situé à l'Observatoire de Haute-Provence, l'objet prend beaucoup de place. Mis au point par l'équipe d'Antoine Labéry, il est l'une des pièces maîtresses d'un nouveau type de télescope. Un système révolutionnaire et peu coûteux, baptisé hypertélescope. La manœuvre est rude, mais le principe est simple. Placé à 140 mètres d'altitude, le dirigeable retient une caméra stabilisée au-dessus de plusieurs miroirs posés au sol.
Lors d'une observation, la lumière d'une étoile est réfléchie vers la caméra. Et là, surprise, sur la nacelle, un ingénieux système d'optique permet d'additionner les images des différents petits miroirs situés au sol, comme s'ils composaient une seule et énorme pièce pour voir encore plus loin. Et les télescopes actuels en fait ont des miroirs d'une dizaine de mètres au maximum, et il est très difficile de faire des miroirs plus grands. Là, on peut espérer atteindre des tailles de miroirs de plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres dans un futur proche. Avec ce système, les scientifiques imaginent déjà étudier en détail les étoiles, grâce notamment à une version spatiale très ambitieuse, l'équivalent d'un miroir de 150 km de diamètre capable de distinguer des planètes très lointaines. On va former des images où on verra les continents de ces exotères et on pourra même voir s'il y a des taches vertes comme l'Amazonie ou le Congo qui permettront de se faire une idée de la présence de vie sur ces planètes. On l'aura compris, le concept s'adapte à tous les environnements. Et s'il n'y a plus de dirigeables, il existe des solutions de rechange. L'équipe d'Antoine Labéry a déjà imaginé comment transformer la Tour Eiffel en hypertélescope. Les vacances et une activité traditionnelle pour les enfants, la voile, planche à voile, catamaran ou optimiste pour les plus petits, une école de la vie, dit-on. En tout cas, depuis quelques jours, les cours affichent complet dans les Côtes d'Armor, près de Saint-Briac, Jacques Devaux, Sébastien Lambert. C'est le sport nautique qui se développe le plus. Le kayak de mer est en progression constante en Bretagne depuis une dizaine d'années. Il faut dire que comme ici à Lancieux, il se prête à merveille à la découverte de la côte. Là par exemple, de pouvoir aller se balader dans les rochers, c'est assez sympa. Parce qu'on est juste à fleur d'eau et qu'on peut aller un peu là où on veut. Donc. Pas trop technique ni trop physique, le kayak de mer peut se pratiquer en famille et l'initiation commence tôt. On demande juste que la personne sache nager. Et à un âge minimum environ de 8 ans, qui est déjà une morphologie assez développée pour... faire avancer l'embarcation. Mais la voile garde ses adeptes. Et là aussi, on commence de bonne heure. Dès 8 ans, on trouve déjà de solides moussaillons. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça fait combien de jours que vous en faites? Deux. On a appris hier et on fait vraiment la voile aujourd'hui. Attention, tu vois. À Lancieux, le plan d'eau s'étend sur 500 hectares abrités par deux îles. Un site idéal pour l'initiation qui profite à plein de l'engouement pour les sports nautiques. On se rend compte que petit à petit, ça vient de plus en plus tôt début juillet et ça dure de plus en plus tard fin août. Et on est en train de travailler actuellement pour réussir à prolonger encore cette saison sur le mois de septembre et à anticiper le départ sur le printemps. Et quand la mer se retire, d'autres voiles prennent le relais. Ne jamais être à court d'activité, c'est le maître mot pour attirer les vacanciers. Voilà, reportage, vous l'avez compris, tourné en début de semaine. Depuis, le ciel s'est un peu chargé en Bretagne et dans l'Ouest d'une manière générale. Direction maintenant le plus impressionnant événement culturel de l'été, le Festival d'Avignon, édition très attendue cette année après l'annulation du Festival 2003, vous le savez, sous la pression des intermittents. En direct du Palais des Papes, Renaud Donne-Dieu de Vabre, qui est chargé de déminer le conflit. Bonsoir, monsieur le ministre. D'abord, l'ambiance sur place ce soir, optimisme et un peu d'inquiétude malgré tout. Abdel Mostefa, Frédéric Delarue. Évidemment, c'est le jour J à Avignon. Tout le monde est sur le pont et les comédiens font comme ça. Ou comme ça. Ce serait se voiler la face que d'oublier le gâchis des spectacles annulés l'an passé. Pour ces acteurs qui avaient fait grève, l'envie de jouer est bel et bien là. Pour autant, un peu sceptique, ils gardent un œil sur le dossier des intermittents. On est un peu inquiet parce que finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer cette année, mais notre gouvernement n'a pas l'air de tellement bouger par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. C'est beaucoup de promesses, beaucoup de blabla. À nos yeux... Dans la cour du bureau du festival, le comité de suivi des intermittents fait le point. Des avancées, oui, mais des questions en suspens aussi. D'où cette mise en garde. Les conditions ne sont pas les mêmes, mais la rentrée risque d'être terrible si on s'aperçoit qu'on nous bourre le mot. Voilà. Le mot abrogation, ajouté sur les affiches pour réclamer encore et encore le retrait du protocole de juin dernier. Les intermittents ont bien l'intention de marquer le festival de leur présence. Trop ont dû craindre un temps les spectateurs qui ont tardé cette année à réserver. Rendez-vous, il y a du monde à Avignon, rendez-vous. On
sait, en discutant, en ayant discuté avec les spectateurs qu'ils attendaient, ils étaient assez inquiets. Donc l'ouverture du festival a créé un petit choc psychologique, puisque depuis lundi, les réservations ont démarré. Je m'appelle Marc, le prénom c'est Sally. Avignon, c'est donc parti. Pendant 3 semaines, 700 spectacles, plus de 600 compagnies qui espèrent jouer beaucoup et parler des intermittents par intermittence. Alors, monsieur le ministre, question simple, est-ce que vous-même, vous vous trouvez sur place, vous êtes confiant pour le déroulement de ce festival? Écoutez, je souhaite que les artistes, les techniciens puissent bénéficier du plus grand public. Et je voudrais commencer par dire à tous nos concitoyens et aux touristes qui sont actuellement en France, venez à Avignon, venez soutenir par votre présence les artistes et les techniciens qui vont réaliser de magnifiques spectacles. Le gouvernement a agi. J'ai pris des mesures d'urgence à la demande du Premier ministre pour renouer concrètement la confiance. Par ailleurs, il faut bâtir un nouveau système. Tout le monde me demandait de désigner un expert indépendant pour que tous ensemble, autour de la même table, on parte d'une réalité chiffrée précise. Cet expert, il est désigné, il a une feuille de route et il doit remettre ses conclusions pour bâtir le nouveau système au plus tard le 31 octobre. Oui. C'est dire que nous avons agi, que nous allons continuer à agir pour qu'il y ait définitivement un système pérenne et juste pour que dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant, artistes et techniciens puissent correctement vivre et travailler. Monsieur le ministre, on va voir tout de même que tout le monde n'est pas tout à fait convaincu. Ces quelques images qui montrent que vous avez été chahuté sans excès, un peu chahuté cet après-midi, parce que justement les intermittents, eux, demandent des garanties sur l'avenir. Il y a la nomination de cet expert, effectivement, qui a été faite, mais ils craignent, les intermittents, qu'on soit dans une période où vous cherchez à gagner du temps. Qu'est-ce que vous répondez? Non, la première des garanties, ce sont les décisions qui sont rentrées en vigueur concrètement le 1er juillet et qui font que ceux qui étaient exclus de l'application du protocole sont maintenant réintégrés. Et donc ça, ce n'est pas comme ça des choses vagues, c'est une décision, c'est rentré en vigueur. Maintenant qu'il y a de la liberté d'expression, je souhaite qu'en marge des spectacles, le débat puisse avoir lieu. Je l'ai dit, et ça me semble tout à fait positif. Alors, ce que je souhaite, c'est que ce soit un dialogue. Là, ça n'a pas été possible que ce soit un dialogue. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est la démocratie et les gens qui veulent la rupture. Alors, mais il y en a. Les spectacles, justement, on est là pour en parler et les montrer aussi. Première représentation ce soir dans la cour d'honneur du palais. Une initiative controversée de la nouvelle direction, puisqu'il s'agit de la tragédie allemande Wojciech en allemand, avec des surtitres, mise en scène de Thomas Ostermayer, un pari, d'après les spécialistes Sophie Jouve, Jean-Louis Melun, et puis on en parle avec vous d'un mot. Le Palais des Papes est habitué aux provocations, pas au hard rock. La sacro-sainte cour d'honneur transformée en banlieue trash de Berlin. Car c'est dans la réalité d'aujourd'hui que Thomas Ostermayer, la star sulfureuse du théâtre allemand, plonge Wojciech, le héros de Büchner. Si ça crée un certain scandale, ça a à voir avec la provocation de la vie, la provocation de l'être humain, la violence qui est entre nous. Des scènes choc et en allemand sous-titré pour raconter l'histoire mythique et déplorable du pauvre soldat Wojciech, le souffre-douleur de toute une garnison et de toute une ville. Un spectacle qui donne le ton d'une édition audacieuse inaugurée par les nouveaux directeurs du festival. Ils ont demandé aux jeunes Allemands d'être le premier artiste associé à la programmation avec un objectif, élargir encore le rayonnement d'Avignon. Le Festival d'Avignon est un des plus grands festivals européens et il doit être un peu le cœur, le phare du théâtre et des arts de la scène en Europe. Un festival ancré sur les questions de société avec 2/3 de spectacles étrangers. Une ouverture ambitieuse et qui va déstabiliser certains festivaliers. Nous connaissons les pièces mais pas nécessairement les metteurs en scène. Alors on est en train de regarder, on va s'informer. Ça a été le plus grand festival de théâtre populaire et ça n'est plus du tout un festival de théâtre populaire. Voilà. C'est pourtant toute la société qu'Ostermayer veut interpeller. Et à travers ce Wojciech, à la fois victime et bourreau, nous parler de l'exclusion qui ronge nos démocraties.
Voilà un spectacle, en tout cas pas forcément habituel pour Avignon. Quand on aime, on dit que c'est audacieux. Quand on aime moins, on dit que c'est provocateur, voire élitiste. Vous êtes plutôt dans quel camp, vous ? Écoutez, c'est un très grand moment européen. J'ai mes collègues allemands qui sont présents ce soir pour cette première dans la cour d'honneur, qui sera en allemand avec un jeune metteur en scène allemand. Que ça décoiffe, que ça pose des questions. Est-ce que vous ne pensez pas que l'actualité quotidienne, dans nos villes et sur le plan international, elle n'est pas parfois une rupture ? Et de ce point de vue-là, je crois que c'est une grande novation. Je félicite les directeurs du Festival d'Avignon d'avoir eu le courage, l'audace, de prendre cette initiative. Et puis je dis à tous mes compatriotes que ça peut perturber. Il y a des tas de spectacles qui sont offerts à Avignon. Et donc, voilà, il y a une variété, une grande diversité culturelle. Mais je suis très fier que mon pays s'ouvre, tende la main aux jeunes réalisateurs allemands qui sont donc le symbole même de cette Europe vivante. Merci. Nous sommes dans une période où... Finissez, terminez, monsieur le ministre. Oui, pardon. Nous sommes dans une période où cette violence, elle nous interpelle. Et ce matin, le président de la République a eu raison de lancer une crise solennelle aux Français pour dire que notre pays ne doit pas être porteur de violence, de haine, et que chacun, on doit se tendre la main. Eh bien, dans cette cour d'honneur magnifique dont les Français sont fiers, accueillir l'avant-garde allemande, c'est la réconciliation nécessaire entre nos racines, notre fierté et la création contemporaine. Je souhaite qu'il en aille de même dans le respect par chacun de nos concitoyens, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. C'est le magnifique message de la culture. Je souhaite qu'il soit entendu ce soir. Message en tout cas qui est bien passé. Merci d'avoir été avec nous, monsieur le ministre. On passe au sport avec d'abord la candidature de Paris pour accueillir les JO en 2012. Et avec ce clip de promotion en avant-première, il sera diffusé sur les écrans à partir de lundi prochain. Paris Olympique en 2012, peut-être. Un mot d'athlétisme, puisque Stéphane Diagana a annoncé aujourd'hui qu'il mettait fin à sa carrière. Décision un peu anticipée en raison d'une blessure au mollet. Rappelons que Stéphane Diagana a été champion du monde en 1997, qu'il détient le record d'Europe du 400 mètres haies. Et puis, toujours en bref, la liquidation judiciaire du CSP Limoges, le club de basket français le plus titré, une décision qui relègue les joueurs en division amateur. Le club cumulait une dette de plus de 3 millions d'euros. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. Point route, Valérie Maurice. 20h55, faites entrer l'accusé. Retour ce soir sur la tuerie de Louveciennes avec Christophe Ondelat. 22h50, trafic musique, avec bien sûr Guillaume Durand. 1h30, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30, télématin, dans les 4 vérités, Jean-Paul Chapelle recevra Gérard Mestrallet, le PDG de Suez. À 13h, Daniel Bilalian. À 20h et tout le week-end, Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images d'un tableau du maître hollandais Vermeer, vendu aux enchères à Londres. La jeune femme virginale, dernière toile attribuée au peintre. Elle a été adjugée près de 30 millions d'euros, 5 fois la mise à prix. C'est un record pour un Vermeer. À lundi. Votre soirée sur France.